Dernier point dans nos actualités pour journée jeudi. Bonjour, bonsoir tout le monde. M'a rappelé une jeudi, c'est lundi et c'est premier sortie pour semaine là. Merci pour confiance à placence ou placé dans nous. Mais point à l'autre qui pourrait faire actualité à la nouvelle là. Bon dia exam si mes paniques sous route frère hier dimanche là nan moment yo t'a fêté nan dossier Mata Argentine qui champion monsieur yo passé plus passé 10 minutes y a fait gros défilé sans entendre ya des moun blessés après gros rafale balle qui t'a chanté nan zone yo ça c'est à confirmer pour force l'audio yo t'a annoncé chaque jour dans pays ya comme quoi yo pral déployer militaire étranger yo pral entrer en Haïti et bien fois ça année 2023 après le paraître yon année décisive côté ce pays Canada qui gagne contrôle mission ça et yon pral déploye coûte que coûte yon contingent militaire pour débarquer dans le pays d'Haïti. Jean Nouvel yon fait qu'on est là. Maman den pourquoi aller rete là, prêti chèz ba nou, tande nouvel yo, même si ou nan travail, bay kasta volume, ou ta la kaoutou, bay radio, a télévision, en pile volume, nouvel yo pral tombe, pa kon gout, youn après l'autre, et nou pral fè yon gros viré ou nan pays d'Haïti, bandi, fin pran pays ya, iso nan village dédié, se gros ke kase, kote nan pali ya la, en pile détail nan information. Pour journée jodi, lundi 17 décembre 2022, quoi nouvelle sous pays d'Haïti sous Chanel Information hein? Sophia TV 83. Gros vent panique soufflé jeudi dimanche 18 décembre dans le niveau Pétionville, plus précisément dans route frère. Côté que bandit 100 fois millois à gros âme dans main fait plus passer 10 minutes à marcher dans toute la rue dans Pétionville jeudi, hein? Plus précisément dans zone route frère bon académie. Yon situation qui te prend la gué, yon panique totale, bon la caille citoyen kap vive nan zone route frère. Côté que, en pile coup de balle, te tiré nan zone là, bien au moins deux moun qui censé victime, côté que recevoir balle, yon même en bas main, bandit sa yon qui t'a fait défiler dans la rue Pétionville, jeudi, dimanche 18 décembre 2022. L'autre information qui domine l'actualité, après que responsable Onayo, c'est si nous mettons mise en disponibilité pour tout employé ONA qui travaille dans ONA Saint-Maclas, et bien finalement, responsable ONA a décidé de lever mise en disponibilité pour ensemble employé ONA Saint-Maclas. Dans ce sens, le commandement ONA fait qu'on est tout le monde qui travaille dans ONA Saint-Maclas capable de retourner, reprendre le travail. À partir de demain, 19 décembre, il y a une façon pour accomplir la tâche dans l'institution correctement. Après que le congressman américain, Sheila McCormick, fin annoncé nouvelle-là, que à partir de 10 janvier 2023, il y a une force militaire étrangère qui débarquait sous sol haïtien, eh bien, réaction continue à tomber dans la société. Si un pile monde t'a posé question, qui est-ce qui va aller pour prendre cette force militaire ça en dans le pays d'Haïti, eh bien, nouvelle la tombée, c'est le pays Canada qui va bien pour prendre cette mission ça en Haïti à partir de janvier 4 là. Nous prenons les forces dans Petit Guave, plus précisément dans la 8e section, côté que ensemble habitants qui vivent dans la 8e section, commune Petit Guave. Par contre, qui sait pour relayer encore par rapport avec maladie choléra qui a déprimé la chronique dans Petit Guave. Dans ce sens, ensemble habitants de Petit Guave, fait qu'on est qu'il y a en total 4 personnes qui déjà mouru en bas maladie choléra dans Petit Guave. Pendant que yon l'autre 20 personnes a subi en bas maladie choléra toujours dans la commune Petit Guave. Dans ce sens, habitants qui ont besoin de Petit Guave, demandez avec l'État pour une qui mesure, yon capable de voler. Yon groupe médecin pour yon, nan localité a, yon façon pour capable rive ba yon ti point avec ensemble de moun kap viv nan difficulté nan commune Petit Guave. Si en Haïti, gen zone moun pa ka passer à cause de question bandi kap bay problème, eh bien c'est même constat tout nan pays Colombie. Côté que nan minute nan pale la, gen plus passé 5 villes nan pays Colombie, ta ki bay en total 10 000 moun kap viv nan 5 villes sa yo, qui pas qu'à sortir la caillou pour évacuer nos activités. Moun sa yo, pas qu'à sortir la caillou, c'est par rapport avec bandit acheté l'argent comptant
35 villes ça dans ça responsable dans niveau la police dans pays Colombie déjà décrété état d'urgence sécuritaire dans 5 villes ça une façon pour dans qui mesure la police capable à mener la police capable à mener opération dans 5 villes ça une manière pour capable traquer bandi qui a des problèmes dans 5 villes si là pas oublier avant été bandi yo c'était moun avant ça veut dire une préférence même la caillou et déjà que nous font habituel chaque coup Argentine combat ils ont connait les amis la tirer pas si par là dans toute direction dans bichatné là et bien c'est encore même constat je dis côté que ils ont ils continuent à péter coup de balle dans bichatné là par rapport avec Argentine qui sacré champion pour une troisième fois mondial et nous avons une vidéo qui est très virale sur les droits côté que Izo y a deux chambres les mêmes la cali la côté tous les deux chambres tao y ont peinturé en bleu et blanc dans souci pour montrer amour que les gens pour sélection Argentine football là et bien si les mes amis illégaux dans même tout y ont pas été indifférents côté que au même tout y en a la ria y a exprimé contentement par rapport avec équipe qui sont champion sous la France côté que vous battez la France, n'importe quelle pénalité, soit 4 buts à 2. Pendant que vous avez une question, bon, diable, ça, on fait un coup d'œil pour nous décrire la réalité à vous, non, John Bissatner, Matissa, Fontamara, Kafou. Parce que hier, nous avons eu juste, nous avons obligé de nous, dans Kafou, pour nous faire, il y a un bagage qui était très important pour la famille. Et des fois, nous avons ça, dans la zone 3e circonscription, côté prend Bissatner, côté prend premier, deuxième, troisième avenue Bolos, côté prend, Martissan, Fontamara, toute zone Tarabosta, nous contrôlée par des gangs armés. Là, on a parlé en connaissance de cause et nous vivons réalité directement. Parce que hier, nous-mêmes, nous avons fait le devoir pour mettre nous dans la zone Tar. L'on finit dans la limite porte à l'Eugan. L'on a dû descendre directement pour aller dans la zone Bissatner, la Borte nationale, pas bien accès pour route. Pas gain accès pour route. Et là, ne parle pas gain accès pour route là. Pas gain accès pour route machine. Pas gain accès pour route moto. Pas gain accès même pour moun kapye circuler dans zone ça. Parce que devant entre village là, l'issance c'est gros pied bois qui levé là-dedans. L'issance c'est rivière gros qui a taille banda dans entre village là. Côté que théâtre national, qui sont institutions étatiques. Côté que si moun ka pratique théâtre, si moun ka pratique danse culture haïtienne, licence pas ka vann nan théâtre national parce que théâtre là il vraiment impraticable nan minute pas parler là. Même si nous quittons zone bisotère là, nous obligé contourner près de cimetière pour nous tomber dans zone premier, deuxième, troisième avenue, c'est encore même constat côté que Grossal, Fatra, Labou c'est au caractériser zone ça. Pendant que nous dans Noël, moi une question à poser avec moi, est-ce que mon dans Noël par rapport avec volume patra qui a bouché Sigu Mounsao dans premier, deuxième et troisième à Bolos, tellement que situation chaotique dans zone ça. La pluie pas tombée ou dans qui situation difficile mon noyé, voici la pluie tombée et là ne pas l'est. Qui difficulté, nous n'avons pas fait pour faire zone ça. L'enfin quitté, deuxième, troisième, première avenue, nous prenons le rendez bon l'église Saint-Bénadette pour nous passer Matisse 123, Matisse 7, Matisse 19. Et bien, zone ça, vous êtes contrôlé par des gangs armés directement. L'enfin parler de contrôlé par des gangs armés, lorsque nous-mêmes, comme journalistes, nous mettons nous dans zone ça, malgré nous son moto. Eh bien, zone ça n'est pas vraiment impraticable pour nous. Nous, c'est au moins, on a pris zone Matissan, bon l'église de Bernadette, nous allons le contrer avec le groupe ISO à lui-même. Cap fait, recette par là, au motocyclette, pour qu'il y ait accès à cela, pour qu'il y ait 100 groupes IVT, dans le premier poste là, deuxième poste là encore, ou pour arriver deuxième poste là, avant pour Fontamara, là, dans Matissan 23, ou bon l'hôpital là, dans Matissan 23 à terre, là, on a l'autre poste qui fait finir sur la pilio. 4 recettes par là, qui ont même 4 touchés, 20 dollars, même chaque cheval moto qui a passé dans la zone. Lorsqu'on quitte Matisse 23, on va entrer dans la zone Fontamara, dans la zone Bonne-Lambi, toute zone ça, difficile pour nous avoir accès dans la zone ça, parce que si M. Christ là autour, il y a même mieux à terre, il y a des recettes par autour. Ça veut dire en total, il y a une moto qui a fait zone ça, ou il y a au moins
300 gouttes pour payer, bah, bandit, ni aller, ni retour. Tellement situation, lui-même, il est difficile dans zone ça. Non seulement, ou à payer les sept dans zone là, pour autant, c'est une seule voie qui praticable dans zone ça. Parce que l'autre voie côté machine qu'on monte là, il n'est pas capable de faire voir ça, parce que voir ça, l'histoire s'est paralysée avec la boue, avec gros fait dans zone là. Et une bagaille qui remarque nous, malgré que Négio dit, ils font éventuel la paix entre eux-mêmes, pour coup de balle pas tirer entre eux-mêmes, l'État haïtien pas répondre présent dans zone ça, pour ta renaît qui mesure, je te situation dans zone ça. Et nous connaissons zone Matissa, zone Fontamara, c'est une zone qui relie 5 départements en général, ça a plus passé, yon l'année, depuis que le bloqué, et bien jusqu'à présent, l'État haïtien pas de décider de pire à terre. Pour comment que le cas facilité accès à circulation dans la zone. Faut que nous ouvrons ça. En gros, c'est une zone qui est contrôlée par des gangs armés. Et ceci, les gens à terre. Il y a une machine, marche longue tout, tout dans le à terre après le secteur. Le Canada va envoyer d'autres blindés en Haïti, et bien selon et Bob. Et oui, qui lui-même, qui est à parler de Canada, qui va le voir, et le gouvernement Trudeau, il va le voir très bientôt. Et bien, véhicule blindé dans le pays d'Haïti, et puis il faut imposer une nouvelle sanction contre individu Sao. C'est ça que l'ambassadeur canadien dans l'ONU, Bob Wey, lui-même, il était annoncé. Mais si vous voulez qu'il te fait annonce Sao au cours de l'entrevue avec la chaîne CBS News autour de la situation en Haïti, monsieur Wey évoquait l'effort que le pays a fait pour capable et résoudre la crise sécuritaire. Mais pendant l'entretien là, au cours de cette entrevue, et Bob Wey lui-même, il n'a pas précisé. 18 mai, c'est une belle fête haïtienne, c'est le commandé ou bien est-ce que c'est ça que même rien avant de parler dans le pays d'Haïti à l'issue de la mission? Eh bien, nous connaissons que c'est 9 décembre et dernier, quand il y a eu dans le pays d'Haïti, eh bien, il répond avec au Novelis à propos de cette commande. Oui, absolument, avait répondu oui à la question de savoir si le Canada allait continuer avec la livraison des équipements achetés par Haïti. Eh bien, pas plus de précision et sur les délais. Eh bien, nous attendons les annonces. Nous n'allons pas dire exactement les dates parce qu'on ne va pas et créer des problèmes, mais n'a continué, il faut nous, c'est ça que lui-même, l'IT est censé ajouter, nous connaissons que le débat avec CBS News, mais ambassadeur également, il a indiqué que le Canada est prévu pour capable d'envoyer 3 experts pour travailler avec la police nationale haïtienne et puis évaluer les besoins. Et bien, selon lui-même, objectif pays, et bien, c'est de mieux équiper la police haïtienne, et bien, en train de trouver un moyen pour améliorer le rendement qui est en baisse. Eh bien, l'Italie dit que nous avons besoin de l'autre équipement et puis il a besoin de plus de formation. Et ça que lui-même, il a parlé. Eh bien, pendant que lui-même, il est venu en Haïti, après que lui-même était allé, eh bien, il a dit que et c'est un pile monde qui a posé cette question en tant que c'est le gouvernement haïtien qui a commandé et blindé. Eh bien, côté que lui-même dit que le Canada peut envoyer l'autre blindé dans le pays d'Haïti. Et là, avancer directement, eh bien, nous parler au niveau de corruption dans Tigouave. Gagnant et corruption, ancien député Tigouave, Germain Fils Alexandre, qui est invité dans le parquet juridiction et Tigouave. Eh bien, le commissaire gouvernement dans le tribunal de première instance Tigouave, M. Pierre-Éliott Paul, invité Germain Fils Alexandre pour le présenter dans le parquet Tigouave, jour 4, mercredi 21 décembre 2022. D'après le commissaire gouvernement Paul, eh bien, invitation, ça fait suite à une série de dossiers ULCC soumettre côté non ancien parlementaire parmi monde qui violait la loi. Il était, eh bien, lutte contre corruption ULCC, eh bien, il transmettre un paquet de guavla non Germain Fils Alexandre, en dans l'ISTA, à capriser l'autre personnalité, parce que pas respecter la loi, et 12 février 2008, là, qui vient pour avec déclaration patrimoine. Qui donc, mercredi 21 décembre 2022, chef paquet Tigouave-la, Apton, ancien député Germain Fils Alexandre, pour venir répondre à question sous et pour ça que l'autorité ULCC reproche, et bien, dans un rapport qui est arrivé et publié, et bien, nous connaissons que sous et gouvernement passé, et bien, parlementaire, c'est eux-mêmes qui ont fait la loi, depuis qu'ils ont un projet, et bien, et pour eux-mêmes, ils sont capables. Et fait, eh bien, il n'y a pas eu l'autre bail que vous faites avec Kobio, c'est quel est Kobio, le fini par rien, aucun projet qui a réalisé, eh bien, pour, et population lui-même, il est capable, et des chances pour d'avoir un petit projet, eh bien, toutes ces choses, ces raquettes que vous-même, vous avez fait, eh bien, je vais vous dire, grand-père, vous demandez, est-ce que c'est, et dans ça que le pays a lui-même, lui a tombé là.
n'a toujours été le même cadre dossier ça la Suisse annoncé journée vendredi a yo pral adopter sanctions l'ONU contre bonne armée criminelle qui déstabilisait Haïti. Dès ce 16 décembre, des sanctions ont été prises contre le chef de gang Jim Chérizier et l'autre personne qui finance les gangs. A dit que et la Suisse lui-même les premiers ça contre et Jim Chérizier et puis avec l'autre monde qui a financé gang yo et bien et ça que la Suisse lui-même a dit annoncé même parce que c'est pas seulement et la Suisse dans pilote et encore et dans et international là qui ou même qui peut prendre en série de et ça n'a rien et action contre moun sa yo. Bien tout, le maire d'Istanbul l'y condamné à plus de 2 ans de prison, possible candidat à la présidence de juin prochain, passe avec Erdogan, Ekrem, Imamoglu, et bien l'y condamné par la justice à 2 ans et 7 mois de prison et à interdiction de participation à la vie politique, même la presse y est arrivé reproché autour, et bien, et la même, et ça tout, la même la presse proche du régime doute du bien fondé de cette décision qui devra encore être examinée en appel. Voilà, dans Gonaïve, cité indépendance là, et bien nous connaissons que dans cité indépendance là, il y a un accord qui a été signé, l'accord 17 octobre, et cité indépendance, c'est un nouvel accord qui est lancé pendant semaine ça, dans ville Gonaïve, objectif accord 17 octobre, et cité indépendance là, d'après citoyen qui fait partie du nouvel accord ça, c'est rivé et présenté une proposition sortie de crise, et bien dans cadre situation difficile, peuple haïtien a traversé journée jeudi. Madame Roselyne Limage, qui est ancien candidat pour poste sénateur dans le département de la Tibonite, dans l'interview, côté que lui-même, il prêchait pour gagner un bon genre de décentralisation en dedans pays d'Haïti. Pendant le souhaité bon genre coopération avec l'autre pays international qui est à gagner l'idée pour capable de venir aider le peuple haïtien. Cependant, ancien candidat pour poste sénateur dans le département de la Tibonite, Madame Limage, qui compte toute l'idée de pour une intervention militaire étrangère en dedans pays d'Haïti, eh bien, et déclaration ça que lui-même lui fait Madame Roselyne Limage et n'est pas parlé dans le cours journaliste. Wow. Bon, comme nous ne pouvons pas parler de l'État, merci à PLFG pour l'intervention dans l'émission. Vraiment apprécié, mon frère. Et j'espère que vous entendez et vous comprenez tout. Nous vraiment apprécié ça, PLFG, pour l'intervention.